Bonjour Maureen. Comment vas-tu? Oh bah je vais très bien. Ça va faire un super petit déj? Ouais, c'est pas mal. Bah en fait au départ je voulais pas être musicien, je voulais être régisseur. Je voulais faire du son. Et puis un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, je lui ai dit que j'hésitais, et puis un bon copain qui m'a dit, quand t'es régisseur, tu te lèves tôt, tu te couches tard et t'as pas le temps de manger. Donc j'ai fait musicien. Le premier instrument que j'ai appris, c'est le saxophone. Au conservatoire régional, départemental, pardon, de Valence. J'ai tenu 2 ans et demi. Et puis je suis parti. J'ai pas appris le métier avec des écoles. J'ai appris le métier avec des passeurs, avec des gens qui font confiance et qui disent, bon bah, vas-y, on verra ce qui se passe. J'ai eu une espèce de première phase de métier qui a duré un petit peu plus de 10 ans. Donc là, je suis là. Et là, pendant cette phase, j'ai fait le métier d'accompagnateur. C'est vraiment un métier à part, c'est une niche dans le métier de musicien. Et c'est pas exécutant, si tu veux. C'est une machine à café, par exemple. C'est vraiment l'art de se fondre dans l'univers de quelqu'un pour servir cet univers, en même temps en mettant un peu de sa personnalité, mais en même temps en essayant de ne pas être trop proéminent par rapport à un chanteur ou un soliste. Là, j'aimerais continuer ça parce que c'est un métier qui me plaît. Humainement, c'est quelque chose de vachement intime. Ça crée un partage avec les gens assez balèze. Mais là, j'aimerais aussi, en plus de ça, plus travailler sur des compositions, des musiques de films, des musiques pour la danse et des choses à l'orgue de Barbarie, évidemment. On sait, par exemple, dans un orchestre, on a déjà essayé une flûte et une clarinette ensemble qui font le même trade musical. C'est comme la cuisine. T'as vu Ratatouille? C'est-à-dire, à un moment, il prend un bout de fromage, puis après, c'est quoi? C'est une pomme? Une framboise. Puis après, il dit, tu mets les deux en même temps. Bah là, c'est pareil. Et là, avec Hervé, on peut essayer des positions musicales qu'on n'a jamais testées avant, entre un orgue de Barbarie et une cora. Il est assez réactif sur l'instant. C'est un mec qui a le sens du one-man show, qui a fait ça pendant plusieurs années et qui sait aller chercher les gens. Il va les chercher au bout de la salle. Et puis voilà, c'est un vrai travail de... C'est même pas du travail de comédien. C'est un talent d'orateur, dans le sens aura. C'est un passeur de mots, c'est un passeur d'idées, d'envie, de convictions, mais c'est un passeur de gens aussi. Il aime transmettre, en fait, je crois qu'il a ça. En fait, c'est un côté vieux sage, mais dans le bon sens. Lui, il offre, il donne. Il t'apprend, il prend le temps, c'est pas un problème.